Eh dis donc, t'as vu ça là, Peugeot Citroën, le groupe PSA? Oh bah dis donc, ils vont liquider 8000 personnes. Et allez hop, à la caisse. Oh bah qu'est-ce que fallait s'y attendre, c'est plus tendance la bagnole de nos jours, ça se vend plus. Et puis bon, quand t'as une bagnole, dès que tu dépasses les 3 km/h de la vitesse imposée, on te guillotine. Dès que t'as bu un pastaga et demi, on te fusille. Et puis le prix d'un litre de sans-plomb, bah ça te coûte le prix d'un kilo de cocaïne. Alors qu'est-ce que tu veux? Hein? Non, mais faut voir les choses quand même du bon côté, hein. Non, bah oui, parce qu'il y a toujours du positif dans le négatif. Il faut gratter, il faut chercher un petit peu, puis on trouve. Ben, PSA là, va liquider 8000 personnes. Et ben, va falloir agrandir les agences Pôle emploi. Ça relance le bâtiment. Tiens, au fait, PSA, ça veut dire quoi? Ah oui, petite suppression d'activité, je crois. J'en suis pas sûr. Tiens, dis donc, Cathy, t'es gentil. Tu me remets une lettre de motivation? Mm-hmm.